Arrêtez tout ce que vous faites et concentrez-vous sur ce putain de dessin. Il est beau, il est présent, il est magnifique. Putain, c'est beau. Je veux une explosion ici, ici, là, 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 ici. Une explosion nucléaire. Oui, c'est beau. Jesus Christ. Wow. Salut tout le monde, c'est Black Rider. Et ce soir, je suis avec Red Zone. Red Zone, pour une vidéo à l'ancienne, vous vous y attendez pas, celle-là. Ah ouais, alors ça c'est sûr, bah ça me fait ultra plaisir de revenir dans mon cher studio avec mon cher Black Rider. Et oui, on est là, on est là. Alors là, on est sur... Nous sommes sur... Life after us, fading light. La vie après nous, fading light. La lumière qui fade. Apparemment, ce jeu joue beaucoup avec la lumière. Oh, une main. Alors pendant que j'étais en train de faire un tour dans les vieilles cavernes de Akam, j'ai décidé de m'éloigner du groupe pendant que j'explorais une partie inconnue de la cave. J'ai senti le sol pété et je suis tombé dans les ténèbres. Je me suis réveillé, ma lampe de poche était pétée. Soudain, un jeune Red Zone vient secourir son peuple Black Rider. Ah, t'es là ? Ah oui, je suis là ! Oh ! Donc, Bon bah, on peut prendre ça. Interagir. Alors, looks like I'm not the first someone upon this place. Putain, le texte est tellement lumineux, j'ai eu du mal à le voir. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup avec la lumière. Alors, je pouvais entendre des bruits de pas dans le noir. Je pensais que c'était John qui s'était perdu dans le noir, qui m'appelait. Et quand j'ai essayé d'appeler, les bruits de pas se sont arrêtés. Tout ce que je pouvais entendre, c'était quelqu'un qui respirait fortement. Et c'est tout. Arrête de sniffer le micro. Non, c'est bon. Y'a pas de coupe dessus. Attends, y'a un autre morceau de papier. Mais on a déjà pris... Ah non. Alors, nous étions en train d'explorer la cave quand j'ai laissé... Alors, quand je suis tombé dans un trou qui s'est pété... Bon, lui aussi arrivait de la même manière que nous, ça veut dire. Tu sens. Bah tu es mort. Oh, ça pue la merde, tout ça. Bon, alors, on est parti de l'autre sens. Ouais, enfin, on va dans l'autre sens. Ok, alors, on va par là. Ah, mais c'est là où il y a le mot play. Apparemment. Ça bug ou c'est fait exprès, tout ça? Je sais pas, je veux pas le savoir. Un morceau de papier, ouais. C'est la quête du PQ. Alors, comment est-ce que j'ai survécu? J'en sais rien, il sait même plus quel âge il a. Fuck the world. Donc, c'est un survivor, hein. C'est un survival horror. Évidemment, nous avons rien, pas d'armes, rien du tout. Un petit trou. Bah oui, glissons-nous dans le trou. Allez, attends une seconde, il y avait deux passages, là. Je sais plus. Attends une seconde. Droite, regarde bien. Droite, gauche, ici, droite. Ici. Non, droite, parce que droite, là, droite. C'est revenir en arrière. Là, on va revenir en arrière. Non. T'es sûr? Non, là, c'est en... Non, là, c'est pas en arrière. Là, c'est... Merde, j'ai tourné la caméra, je putain, sais plus où on est. On passe par là, fuck the world. Il y a un papier, là-bas. Ouais, je le vois bien. Là, il y a un pont. Un pont. Fuck the world. Oh, du bleu. Oh, la belle bleue. What the fuck was that? Oh, what the... Tu te rappelles du bout de papier, là? Il disait que si on entendait quelqu'un respirer, on était mort. Mais nous sommes pas morts. Oh, fuck you. Donc, alors, attends. Le système. Bon, prenons le bout de papier. Alors, quand je faisais mon chemin à travers la cave, je pensais... que j'entendais des mouvements et des sons de scratching, de frottement, je ne sais pas trop quoi. Les ténèbres étaient en train de me jouer des tours. Donc on vient par là. Donc... Une matière lui jouait des tours. On va continuer. Attends, il y a peut-être une arme. Il y a peut-être quelque chose. Non, il y a pas d'arme. Non, il y a rien du tout. C'est okay, un. Ok, bon, alors c'est parti. Fuck that shit, go dans la caverne, mon cher Redzo. Nous pénétrons et nous allons en profondeur dans les abîmes de cette caverne. Oh, du diamant? Du diamant! Vite! Sors ta pioche! Fais-nous une armure en diamant, Raid. Non, ce n'est pas Minecraft. Oh, là-bas, un morceau de papier. C'est dommage quand même. Là, ouais. On serait riche en diamant. Ouais, vraiment, là, on aurait la richesse. Oh, oh, fuck! Oh
un mec à poil. Putain. C'est peut-être notre pote, non? Probablement. C'est peut-être le reste de la colonie. En tout cas, il a grimpé vite dans les escaliers. Voyons voir qu'est-ce que ce morceau va bien nous dire. Beaucoup trop de choses, j'en ai rien à foutre. Nous vivons dans quel siècle? Je sais pas. Bon, ok, donc c'est parti. On monte, on va là où il va, sinon c'est pas drôle. Hein. Ouais, on le suit. Hein. On aurait pu escalader. Je crois que c'est le meneur. C'est le meneur. Le meneur, oui, voilà, c'est le guide touristique. Hein? Eh, monsieur? Attends, j'essaie d'écouter la grotte respirer. Non. Il y aurait qu'un mal. Attends. Alors? Je sais pas si c'est le vent ou c'est nous qui respirons, mais bon. Bon, en tout cas, des choses se produisent. Et du champagne. Du diamant et du champagne! Oh, du papier! Viens à moi. C'est un cliché, tous ces bouts de papier. Le journal de Charles Houghton, certes. Nous avons trouvé la partie la plus basse de la cave avec quelques structures de... J'ai pas envie de lire ça me saoule. On se casse. Bon, bref, en gros, bah, il y a un mec qui est perdu comme nous et je crois qu'il est mort, là. Enfin, j'en sais rien, peut-être. Non, il a mis ses bouts de papier pour qu'un autre gars le suive. Non, je sais pas. Je sais pas. Attends, alors là. Droite, gauche, droite. Droite. Hop. Et je vois une lumière au fond. C'est un bout de papier, je crois. Courons. Putain, tu cours. Wouhou. Putain, ouais. Tu es super rapide, Ride. Ouais, vraiment. Alors, Black Ride. Red Zone. Alors, le journal de Charles Hunton. So far, no luck. Jusqu'ici, pas de chance. It's hard to navigate the caves and part keeps falling in. I will not give up for the search. We can give up, we can have fortune. Bref. C'est un russe qui parle? Non, c'est un droite. Russe. Ouais. Donc, pour faire court. Oh merde. Bah voilà. Oh, c'est ce que j'allais dire, la non, grotte. Non, c'est te retourne pas, non. C'est bon. C'est le mec qui me dit non, te retourne pas! Dit-il en se retournant, tu sais. Non, mais c'est bon. Tiens-moi la main. Non? Oui. Fuck you! Tiens-moi la main. Bon, non, c'est un cul de sec, il va falloir rembourser le chemin. Ok. Et je le sens vraiment pas. Okay. Alors il faut retourner en arrière. Certes. Donc il faudra passer par à droite ce qui était à gauche avant. Oui, effectivement. Donc alors continuons. Continuons notre petit chemin à travers le trou du cul de la montagne. Bon, alors, cette lumière, est-ce qu'on a un briquet ou quelque chose? C'est quoi cette lumière? C'est une lampe de poche pétée. Non, je crois qu'on a une torche. Une torche, oui. Voilà. Mais c'est bien sûr qu'on a allumé avec notre cul. Voilà. Alors, le gaz est inflammable. Inflammable, effectivement, chère victime. Le méthane, la source de chaleur la plus destructrice de l'écosystème, car c'est la plus chaude en effet. Putain, je sais pas où on va. Putain, il y a des champignons partout. Moi, je comprends pas. Ça me nique les yeux, car on est dans le noir complet et on a juste des petits vaisseaux lumineux là, qui clignotent. Et franchement, je commence à avoir mal aux yeux. Je crois qu'on va finir ce jeu avec un mal de tête. C'est horrible. On a emprunté un chemin complètement hasardeux. Sachez que dans le jeu, nous sommes pas des victimes, ce sont les monstres les victimes. Ah oui. Saute pas. Non. On a pas fini. À la fin de l'épisode, tu pourras sauter. Peut-être. Si on peut retourner en arrière. Du diamant, quoi. Du diamant, nous sommes riches. Non, on a pas de pièce. Putain, il y a trop de chemin là. Bon, faut à droite. Allez. Droite, c'est la vie. Droite, c'est la solution. À droite, c'est l'avenir, mes amis. Non, à droite, c'est la richesse. Effectivement. C'est pour ça que je dis que la droite, c'est... Oh, des escaliers! Ah, bah ça a été fait par la main, ça. Apparemment, ouais. Putain, s'ils étaient faits tout seuls. J'ai entendu des bruits de pas ou c'est mon imagination? Imagination. Ah, bah le voilà! Alors, trouver quelque chose pour péter les rochers. Ok, donc lui, il s'est endormi, il s'est jamais réveillé. Donc, on a cassé quoi? Les rochers, je suis là, ce rocher-là. Probablement, il est mal texturé, ouais, ça doit être lui. Il est très moche, d'ailleurs. Ouais. Par contre, ils ont dit trouver quelque chose pour péter le rocher. Donc, moi, je te dis, on repousse le chemin. Effectivement, jusqu'à trouver une pioche. What the fuck was that? Bien qu'un morceau de la cave vient de se péter. De se boucher aussi. Ah ouais. Bon, on l'a dans le cul. De quel côté? Du côté duquel on est venu. Donc ici, on est venu. J'ai entendu bruit si jamais. Moi aussi. Il y a nous qui marchons, mais après je sais pas. Hop là. Putain, et j'ai vraiment mal aux yeux. Je sais pas vous, chère victime, mais moi je prends cher. Droite. Droite. Ok, d'accord. Droite. Là, y a rien du tout. Là, c'est une montée. J'avais juste envie de te faire chier. Arrête de faire foutre. Alors. Ok, bah y'a rien. Y'a rien. On vient d'ici, hein. On vient de là? J'en sais rien. Attends, retourne-toi. Oui, on vient d'ici. Ouais, mais il faut trouver quelque chose pour péter. Je sais pas si on peut péter les murs avec les diamants.
Dans Minecraft, là, t'es sûr. Ah oui, il y a un caillou là. Oh, un caillou. Oh, un caillou. Pourra faire quelque chose avec. Non, on peut pas. Bon, ouais. Alors, redressons le chemin de cette aventure épique. Une fois de plus. C'est par là, hein. C'est ouais. Par là, putain. Alors, franchement, je sais pas si l'effet lampe de poche était censé faire peur, mais là, j'ai l'impression que je vais mettre à saigner du nez. Non. Peggy 18. Peggy. Je vais mettre du sang, c'est Peggy 18. Ah, j'en suis. Sachez, chère victime, que si vous êtes... Là, on retourne en arrière, mais on essaie de trouver... Ah, bah c'est là que ça s'est pété. Ici ? Bah, tourne un peu à droite. Non, à droite. Oui, voilà, c'est de là qu'on venait. Ah oui ? Ouais, je crois bien, ouais. Non, je ne pense pas, je pense qu'on vient de là-bas. Ouais. Moi, j'arrive plus à me situer dans cette grotte. Ah ouais, t'as raison. Attends. Par contre, là, je crois qu'on va trop loin, non ? Alors là, ouais, c'est mais je sais pas, je pense qu'on... Ah, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai mal... Mon âme me fait mal. J'ai mal à l'âme. Tant qu'ils t'ont pas pris... Ils m'ont pris ma dignité. Voilà, exactement. Ils ont tout... Attends, regarde à droite un tout petit peu. Ah non, j'ai cru que c'était des escaliers, mais non, c'était une fin, c'était de la pierre. Ok. C'est une... Oula, ça fait peur ici. Ouais, effectivement. Bah viens, on va par là. Ok. On va vraiment rembourser le chemin pour un milliard. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut trouver quelque chose et on n'a rien trouvé avant. Effectivement. Voilà, donc là, on redresse vraiment le chemin. Ouais, on va retrouver vers le point de spawn. Je suis sûr, on est passé devant 8 fois, les victimes l'ont vu, et ils sont genre « Eh, mais vous êtes des connards! Vous avez marché dessus! Mais prenez la pioche, elle est dans votre cul, allez !» Et nous, on est genre « Oh. Ah bah non, regarde, on n'avait pas vu ça avant. On aurait oublié. Non, parce qu'on n'est pas passé par là. Effectivement, mon cher Red Zone. D'ailleurs, hop là. Oh, ces effets spéciaux. Alors. Le journal de Charles Hunton, one of the men missing last night, nanana, c'est overkill, versus nanana, versus crap, was the main nanana, new passage, and I think it may lead us to the way we want. Ok, donc à part ça, il y a des gens qui cherchaient quelque chose dans cette grotte, mais non, on sait toujours pas qu'est-ce que c'est, puis là, ils ont perdu quelqu'un, encore une fois. Ah, ils ont perdu quelqu'un. Ils ont perdu quelqu'un. C'est bête. Ah ouais, c'est cool. C'est une fois qu'on aura trouvé la sortie, on reviendra pour tout ce diamant. Histoire de se faire un pantalon et des bottes en diamant. Ah oui, un plat trop. Peu importe. Nous enfonçons dans les profondeurs. J'ai vu du bling bling. Bling. C'est vrai qu'on va de plus en plus bas. Moi j'y vais à la Sarkozy. Oh non, s'il te plaît, pas de la semaine. Le mec. Donc alors, nous descendons dans les entrapes. Alors, vas-y. Cours. Oh merde, mais il est putain, nul. Ce mec se téléporte. Oui, un truc dans le style. Vite, on se casse. Je sais pas s'il est derrière. Je sais pas, je veux pas le savoir. Attention, il va falloir qu'on monte bientôt. Attention. Droite. Toute. Chut, je l'entends plus. Moi non plus. Je crois qu'il nous a lâchés. Ouais, je pense qu'il a eu peur de ton cri, Ryder. Effectivement. En tout cas, toute la Suisse est au courant qu'on a eu peur, là. C'est tellement fort. Bon, vas-y, c'est parti. Le mec nous a pas laissé prendre son bout de papier. Ouais, Ça, je pense qu'il faudrait esquiver parce que... Je sais pas si c'était... comment on appelle ça? Un fake qui fait peur, là. Un screamer, voilà. Un screamer. Je sais pas si c'était un screamer ou... Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je veux qu'il reste loin de moi. Donc ça, c'est fait. Il y avait un bout de papier qui brillait ou c'était, C'était du diamant. Ok. Bon, rappelle-toi, notre quête est de trouver quelque chose qui peut casser une pierre. En effet, mon cher Red. Il y a du papier. Non, mais il vole. Ah, quelque part, me dit que quelqu'un qui le tient. Qui le tient. Imaginez quelqu'un qui tient le papier. Attends, regarde bien autour parce que peut-être c'est un truc pour nous attirer dans la merde. Effectivement, mais jusqu'ici, je ne vois que Pouic. Jusqu'ici. C'est beau, mais c'est pas beau. Effectivement, la lumière me fait mal aux yeux. C'est délicieusement douloureux pour les yeux. J'ai l'impression que plus on avance vers le papier, plus on se la met dans le cul, en fait. Ah, objectif. Cette feuille est plus grande que les autres. Putain, lui, il a pris un A2, tu sais, un truc immense. Tellement grand que j'arrive même pas à le prendre. Pour 4 lignes. On dirait un post-it quand tu cliques dessus. Ouais, vraiment. Nous l'avons trouvé. Alors, le journal Charlton. Nous l'avons trouvé. Oh mon dieu, nous avons trouvé le vieux temple. Le Necronomicon. On cherche le Necronomicon. Sérieux. Ils l'ont trouvé. Ah non, ils ont trouvé le temple. Mais le Necronomicon. Must lay within and push the search of it. Et ils ont trouvé le temple, mais pas le Necronomicon. Ok, d'accord. Donc c'est ici qu'il va avoir une arme. À mon avis, il faudra trouver une arme sur le cadavre de ces jeunes gens. Effectivement. Ah, je crois que je vois quelque chose au fond, là. Oui, mais justement, mais regardons autour s'il n'y a pas un monstre ou... Juste histoire de d'avoir un peu d'action. Au moins ça. J'espère qu'ils n'ont pas mis des petits trucs cachés derrière les murs, hein, parce que sinon... Oh putain!
Putain, mais je viens de mettre mon attel, c'est silencieux, c'est quoi cette merde? Nigga, fuck you. Veuillez m'excuser. Putain, c'était sérieux? Ouais. Oui, on a remis ton attel aussi, hein, si tu veux. C'est moi, en plus, moi, j'ai fait chier à raison, j'ai fait, ouais, tu comment mets ton attel, comment tu peux avoir du réseau dans ta pâte cave? Bah, en fait, c'est dans ma Black Ride cave. Alors, oula. Ah, bah voilà! On l'a trouvé! Yes! C'est parti. Putain. Oula, même le micro, il a tremblé. C'est moi ou j'entends rien? Ah, on avait une lanterne. Quelqu'un vient d'éteindre notre lanterne. Ah, merde! Il va falloir suivre la lumière. Non. Si. Oh, what the fuck! Regarde tes points de vie, hein, mon pote. Ouais, hein. On est à 100. Oh, what the fuck, mais on s'en fout, vite, on se casse, vite, mais cherche. On va où? Je sais pas, cherche une autre source de lumière. Attends, vite. Merde. Ah, mais ma gorge. C'était la quenelle. Non, mais attends. J'attends. On trouve la pioche. Blague. On trouve la lumière. Oui, parce qu'il n'y avait plus de lumière. Ouais. Et ça finit comme ça. Oh mon dieu, non, sans déconner, non. Non, ça peut pas finir comme ça. C'est dégueulasse. Moi, j'ai envie de les péter, on y retourne. On y retourne, on va se les faire. On va se les faire. Bon, c'était tout, mes chers victimes. Et j'espère que ce petit épisode nostalgique avec moi et Ryder vous a plu. Effectivement, sur ce, cher victime. C'était tout, c'était Red Zone. Et Black Ryder. À la prochaine, ciao, ciao, les gars. Get.